My name is Herve Constant, and I'm an artist based in East London, and I paint, do artist book, short films, etc., quite a few things. I came to Acne from, I used to have a studio in Tufnell Park, where I was renting from a friend's house, in a friend's place, and I put my name on the list with the space organization. And when they told me it was a possibility of moving in Martello Street and to look to a studio there, then I thought the price was, the rent was good, and the space was good. Then I moved. I'm originally from Morocco. I'm born in Casablanca, and I moved by 4 or 5 years old to south of France, near Toulon, near Marseille. And later on, I was put in an orphanage for over 10 years and studied theater and moved to Paris afterwards. How do I feel to be in an orphanage? I personally think it was a good thing, and I was very lucky in a way, because if not, I mean, as a child, where I came from, near Toulon, it was on the suburb of Toulon, and most of the children were just about fighting and about drinking and all that, and it was quite then to have been put in orphanage at around 5 or 6 years old, and then I think it was a good, I've been very lucky in a way. And I think the orphanage has been very positive in the sense of actually the people in charge were interested by art. They were the man, the American, the director was a writer. We were part of a chorale, we were singing, we were, and they did have a kind of an interest about films about Buster Keaton, Charlie Chaplin. Then it was altogether quite a mystical, quite interesting, quite private in a way. Then I think that's maybe why I like very much cinema and art. Je suis venu à la fin des années 70 avec la volonté d'approfondir ma connaissance du théâtre anglo-saxon. Pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études d'acteur au Conservatoire de Toulon, dans le sud de la France. J'ai eu la chance de pouvoir entrer à l'école de la Rue Blanche qui dépend du Conservatoire de Paris. Ma découverte de l'Angleterre est la conséquence d'un voyage fait avec l'école du Conservatoire. Nous avions été invités dans différentes écoles de théâtre, dont Stratford-sur-Avon. L'expérience a été remarquable et m'a laissé un profond souvenir. J'ai été tout simplement impressionné par la qualité des acteurs britanniques, l'honnêteté et la vocation de beaucoup d'entre eux. À ce moment-là, j'avais commencé à jouer au théâtre et aussi à participer à un nombre de spectacles. Je me souviens d'un auteur dont la mouvance de Jérôme Bosch et de Bruegel, la pièce s'appelle « La ballade du grand macabre », écrite par Michel de Gelderode, un auteur belge. J'ai pu entre autres être inclus dans des spectacles tels que « La Révolution française au Palais des Sports » à Paris, mise en scène par Michel de Ré. Ma première impression et expérience de Londres, c'était la découverte d'un pays beaucoup plus tranquille, plus personnel, avec des gens beaucoup plus tolérants. C'est aussi à cette période que je me suis mis sérieusement à la peinture et au dessin. Je passais de plus en plus de temps à ma nouvelle passion de l'art visuel. Pourquoi l'art visuel? Tout simplement parce que c'est un art que je pouvais faire seul, me concentrer et faire des choix. Où mon atelier est situé. J'y suis déjà depuis plusieurs années. Acne est maintenant devenu un quartier très populaire, surtout avec les jeunes à la mode. Je suis arrivé dans ce quartier dans les années 1986-7. Je venais juste d'avoir passé une période de 5 ans à Toulon, dans le sud de la France, 1980-1985. Durant cette période, j'ai acquis un premier prix à la Biennale de Nice pour un tableau intitulé « L'envol d'Icare », fait sur papier avec du pastel, gouache et acrylique, en 1983.
Ce tableau est devenu la maquette pour une grande commande faite à l'huile sur toile d'un format de 5 sur 3 mètres en 1984. J'ai aussi participé à plusieurs expositions dans le sud de la France, à la tête d'Obsidienne entre autres, une galerie près de la Seine-sur-Mer. Mon atelier fait partie d'un grand complexe d'ateliers dirigé par SPES. Le rôle de cet organisme est de soutenir les artistes en fournissant des ateliers à tarif réduit. Le complexe a 40-45 ateliers et plus de 60 artistes. Nous avons régulièrement des portes ouvertes. Cet espace a joué un rôle essentiel dans la production de livres d'artistes, de sérigraphies et de gravures. Mes premiers films ont été aussi produits dans mon atelier. Je me sers du fond blanc pour certains courts-métrages comme « Enroulé et déroulé »,« Ballet de main » et « Portrait de Cat Diaz ». Plus tard, j'ai aussi produit des tournages beaucoup plus longs, « Inquisition » et « Force du destin ». Je suis persuadé qu'avoir un espace si large et si bien situé a été très utile pour produire beaucoup et pour me donner un excellent champ d'ouverture. J'ai eu la chance d'avoir participé à un certain nombre de biennales à travers le monde, par exemple Saint-Pétersbourg, Istanbul et Nice en France. Maintenant, très souvent, mes participations sont des courts-métrages et des installations de son. Il est beaucoup plus facile et certainement moins cher de proposer des travaux basés sur un court-métrage et des installations de son. J'ai récemment participé au festival Water Tower Art Fest à Sofia, en Bulgarie, où j'ai présenté Le Rêve, une installation de son de 5 minutes. Récemment, j'ai fait d'autres présentations, généralement de vidéos, Writ Large à Los Angeles, Pizza Art Galleries, organisé par Chiara à Nice, ainsi que The Mystical Self à Vérone Art Fair, dirigé par Cecilia Frechini. Récemment, aussi, j'ai participé à un hommage aux frères Lumière, deux pionniers de la cinématographie, au Théâtre Eden à La Ciotat, près de Marseille, et organisé par Roberto Comini. Ma projection pour le TGV en 50 secondes était centrée sur l'arrivée du train en gare de La Ciotat. Chaque artiste invité à participer devait produire un film de moins d'une minute. Au cours du temps, j'ai été impliqué dans des thèmes variés. Il peut paraître disparates et même très opposés, mais en général, ils sont assez semblables dans le sens que beaucoup ont les mêmes données. Lorsque j'ai commencé à peindre, beaucoup de thèmes de mes peintures étaient existentiels. Ils traitaient souvent les relations humaines d'une manière figurative. Je continuais tout de même certains travaux dans un style semi-abstrait. Ils étaient à certains yeux de styles très différents et, bien sûr, sans aucune relation, mais cela n'était pas le cas. Les sujets étaient souvent sombres, très tristes. Quelques années plus tard, au moment où je suis rentré à Londres, beaucoup de mes sujets étaient conçus autour du sujet de la communication. Certains étaient encore construits d'une manière figurative, mais un grand nombre semi-abstraits. Mon sujet principal était le téléphone, un symbole, bien sûr, de la communication. Donc, les sujets s'enchaînent les uns aux autres. Après le thème de la communication, et pour avoir un style plus tenu et restreint, je me suis tourné vers la poésie d'Arthur Rimbaud, un poète français, symboliste de la fin du XIXe siècle. Parmi ses contemporains, il y avait Paul Verlaine et Charles Baudelaire, deux des grands, des plus grands poètes à mon avis. Comme enfant, j'avais été touché par la vision du monde d'Arthur Rimbaud et sa compréhension de l'humanité. J'ai commencé à découvrir
et a voyagé avec son fameux poème « Le bateau ivre », un très long poème qu'il avait rédigé à l'âge de 17 ans. Son poème est construit comme un voyage personnel de découverte de la vie, dont le départ est symbolique de la naissance et la fin de celle de la mort. Nos joies et nos temps difficiles peuplent le trajet. J'ai aussi toujours été beaucoup impressionné par la délicatesse et la sensibilité d'un autre poème d'Arthur Rimbaud, Le Dormeur du Val. Il décrit un paysage tranquille où un soldat est allongé sur l'herbe. Il est perdu dans un profond sommeil. C'est seulement avec les derniers vers du poème que l'on réalise qu'il est en fait mort, puisque l'on peut apercevoir une trace de sang sur le côté de sa chemise, celle de la balle qui l'a tué. Je me sers de différentes parties de l'atelier et travaille comme si j'étais dans des cellules diverses. Je vais de l'une à l'autre. En fait, toujours très occupé. Cela veut dire, à un certain moment, en encaustique, d'autres fois avec de l'acrylique ou bien même à l'huile. Et entre-temps, je fais aussi des dessins souvent au fusain. J'aime beaucoup le noir et blanc car je trouve son travail très stimulant. La technique de l'encaustique est un mélange à la fois de cire, de peinture à l'huile, de vernis de damar avec quelques gouttes de térébenthine. J'aime beaucoup cette technique, plus précisément son odeur. C'est très envoûtant et sensuel. For the mediums, I mean, to use the mediums, very, very often they, it's very strange. Sometimes, I mean, I mix up and work, put some oil and work on some others in part in the studio about acrylic. And sometimes it's just basically just acrylic and acrylic, acrylic, and go back to oil. It's no kind of something I decide and say, okay, it's very strange. It's like, I think someone getting up and the feeling of it's a kind of freedom, kind of actually, it's no so meticulous and so so disciplined about the materials or the mediums. I mean, the mediums I'm using are oil, encaustic, acrylic, even watercolor. My ideas forms from trips, voyage, and something I'm reading, or just through a subject, through travels I've made. The process is very often it's from from something. Then you just actually you just develop and you just bring other things. It's a very strange. It's like a voyage. It's like a travel. Not only a travel as such as travel from one place to another place, but also the mind goes from one place to another place. Je peux mentionner trois projets qui m'ont beaucoup intéressé. Le premier est un large tableau réalisé pour la Marine nationale française de Toulon.
En 1983, j'ai eu la chance de recevoir un premier prix en peinture à la Biennale de Nice. Durant cette même période, j'étais retenu par le jury de la Marine nationale pour être considéré à peindre un très grand tableau. Lorsque la sélection a été réduite à 4 artistes, nous avons tous été avisés de proposer 2 maquettes chacun. Ça faisait très longtemps que je m'étais très intéressé par le thème d'Icare. Mon projet était de décrire symboliquement la tragédie de son envol. J'étais fasciné par cette passion exprimée par Icare, sa volonté de voler vers le soleil et d'atteindre les dieux. Comme vous savez, l'histoire se termine par un désastre puisque Icare brûle ses ailes et va s'écraser au sol. J'aime les êtres voulant pousser les barrières de la destinée. Je trouve cela des plus remarquables. À la fin, j'ai eu la chance d'être l'heureux élu, de pouvoir faire le grand tableau. Le deuxième projet dont je voudrais parler, c'est Eden. Lorsque je suis revenu à Londres vers 1987, j'ai eu la chance de recevoir l'aide d'un collectionneur anglais qui continuait à acheter quelques-uns de mes tableaux. Plus tard, après avoir déménagé avec sa femme, journaliste au Norfolk, dans une propriété du nom d'Eden, il a demandé à sa sélection d'artistes de créer une œuvre sur le sujet. À ce moment-là, ma curiosité était autour d'artistes du nom de Giotto, Masaccio, enfin des artistes présents avant la période de la Renaissance. Je savais que Masaccio avait créé une fresque sur le thème d'Adam et Ève. Je voulais tout simplement diriger ma commande dans la même direction. Donc j'ai proposé ce thème au collectionneur, il l'a accepté. Habituellement, lorsque l'on me donne une commande, je prépare souvent une série avec en tête la réflexion que cela me donnera une meilleure vision du travail en général et aussi que cela permettra à l'acheteur d'avoir un plus grand choix. Dans tous les cas, je sais par expérience que les travaux peuvent être tout de même achetés plus tard. Dans ce cas-là, le collectionneur avait acheté au moins 3 ou 4 peintures. Le dernier projet que j'aimerais mentionner ici, le tarot a été le sujet de plusieurs commandes faites pour la fondation Ezazel à Limoux, près de Carcassonne, dans le sud de la France. Je n'avais pas encore une grande connaissance du tarot à ce moment-là. J'étais en train de préparer une exposition pour le musée Arthur Rimbaud à Charleville-Mézières, en France. Quelle que soit la raison, le directeur de la fondation, après avoir vu certains de mes tableaux sur la poésie d'Arthur Rimbaud, me demanda si je serais intéressé de proposer quelque chose. Comme je l'ai dit, je n'avais pas une grande connaissance sur le sujet, donc j'ai commencé à lire beaucoup. Éventuellement, j'ai ressenti suffisamment d'intérêt pour lui répondre et lui faire parvenir quelques dessins. Entre-temps, bien avant d'être invité à faire la commande et par simple curiosité, j'ai décidé de créer la série entière des 22 cartes du Major Arcane influencées par le tarot de Marseille. Je suis en train, depuis un certain moment déjà, de travailler en collaboration avec le poète américain Marieke Rummel sur un livre de poèmes qui sera publié durant le début de 2014. Ma contribution consiste à produire un travail pour sa couverture. I mean, the painting is not a recent one. It's called Oreille de Madame Mermet, who means the year of Madame Mermet. And so I'm interested by the morbid. I mean, not especially in the morbid, but I like the things who are not unusual. And basically, she was murdered, and she did have enormous ears. Then I like the idea, and I thought, sometimes I do paintings who are based on the kind of things
unusual or strange or something was actually here. Then that's the reason for that painting here. Another painting I'm from that series called For Heaven's Sake is a painting actually was shown recently at the in Los Angeles in a gallery there, and is an installation in a very large. They redone the painting in an enormous scale, and the four artists were selected to show there. It was based on text and all that. And again, it's similar to the oreille de Madame of Mrs. Mermet, the kind of part. It's for me, it's like a cry. It's actually it's taken from someone who actually killed, and he wanted to actually being. He said, "Please stop me before I kill more," and all that. And I find it very tragic and very very moving for me, even if the text might seem to be just a laughing matter. This one, it's called A Family Nest, which is actually charcoal on paper, with a fairly recent piece of work. And when I mention many of the works seems to go back to the actually figurative and the storytelling and the narratives, then that's one of the pieces I still like, and I think it's it goes well with the other two are semi-abstract or symbolic work. This one, it's called End Ballet, which is actually a still videos printing. And before, a while ago, I mentioned about the interrelation between the multimedia, the photography, the paintings and all that. And this piece is basically started from a film, a short film I made called End Ballet. I think it's a 3 or 4 minutes short film, so it's based on hands. And this is actually the result of the taken from the film. This piece is called, it's from a series called Children's Playing. It's made on charcoal on paper again. And the idea is actually children are playing, but when I did it, the idea was actually they seem to be actually like a Ku Klux Klan, like they doesn't realize the imagery they are creating. They use a scone to actually from the road to play with it, but the image is slightly threatening and kind of unsettling. Then I'm most interested by that. Then again, it's one of the from that series of drawings and figurative work. À travers le chemin habituel des différentes sources telles que les marchands et les galeries, soit ils gardent des travaux dans leurs locaux, cela peut être des livres d'artistes, des gravures et bien sûr des tableaux. Mes courts-métrages sont aussi à vendre, mais je dois avouer que le marché pour cette forme d'art est encore très limité. Ma réponse est essentiellement basée sur mon expérience personnelle. Ce que je peux dire par contre, c'est que j'ai observé qu'il y a un tempo irrégulier dans le marché de l'art, parfois très bon et d'autres pas si bon. Bizarrement, j'ai noté que très souvent, dans mon cas, les meilleurs moments pour moi étaient les pires pour les autres. Durant les périodes de crash, j'obtiens plus d'acheteurs potentiels. Mais à part cela, je dois dire que je suis très chanceux d'avoir et d'avoir eu un nombre constant de supporters qui m'ont aidé à continuer mon parcours. Hommage à la Bosnie. Beaucoup de choses m'inspirent autour de moi. J'observe et quelquefois, un petit incident va m'inspirer pendant longtemps. Un exemple par hasard. J'ai été invité à aller en Bosnie avec quelques artistes. Voici l'expérience que j'en ai tirée et le travail que cela m'a inspiré. Nous savons très bien ce qui s'est passé en Bosnie, les horreurs de la guerre, souvent au travers des actualités à la télévision. Mais peut-être l'on ne se rend pas suffisamment bien compte de l'état actuel du pays et surtout comment les habitants vivent maintenant
l'après-guerre. L'expérience de Bosnie a été très utile. Nous étions 4 artistes titulaires d'une bourse, Balkan Art Link. Cela nous a permis de rester chez les habitants et de voyager à travers le pays tout en puisant dans cette expérience in situ des troubles locaux pour produire nos travaux. Je me souviens très bien d'une visite dans un parc où des tombes avaient été érigées en hommage aux 70 enfants tués durant un nettoyage ethnique. C'est une image mémorable d'une expérience terrible et d'une tristesse profonde. Durant ce séjour, nous avons participé à une exposition au musée Dom Armij. J'avais présenté une série de peintures en encaustique représentant le tétractis. Ceci a comme symbole une pyramide avec son créateur au sommet de la structure se dirigeant vers le bas de l'air et de l'eau à la terre au-dessous. J'ai remarqué que les pays les plus pauvres sont souvent les plus accueillants. La Bosnie n'est pas une exception. Tout le monde nous a accueillis avec beaucoup de générosité et de gentillesse, cela même de la part du total inconnu. J'ai pris beaucoup de photos, des marques de la destruction d'endroits brûlés et de traces de fusillades. Lorsque je suis rentré à Londres, j'ai développé ma série de photographies et je les ai utilisées pour travailler sur des peintures, des projections et des gravures et pour préparer des expositions. Beaucoup de mes travaux sont basés sur ma profonde curiosité de la pensée humaine, sa motivation et ses comportements. Le livre d'artiste tué explore le côté caché de la pensée humaine. C'est une recherche dans le rhizome du conscient humain. Mon individu se sent perdu dans les multitudes de l'humanité. Il se sent sans importance tout en ayant le sentiment qu'il a le droit de l'être. Ce sentiment est devenu la motivation de la réalisation d'un livre d'artiste et d'un film. Mes vidéos sont une suite logique à mes travaux photographiques. Je me suis procuré une caméra vidéo et j'ai décidé de produire 2 projets. Pour le premier, j'ai demandé à un ami de poser et d'enrouler et de dérouler un long tissu noir autour de sa tête.
Pour moi, la démarche est la même que pour une photo ou une peinture. Je trouve une idée à partir de laquelle je progresse. Beaucoup de mes travaux peuvent être mieux compris ou interprétés symboliquement. Nous pouvons, par exemple, voir dans ce tableau le visage du poète français Arthur Rimbaud. Son regard est porté vers l'horizon, sur l'infini. En dessous de son visage, il y a une forme géométrique en forme de boîte. Ce réceptacle représente le cercueil dessiné par le poète alors qu'il était souffrant au cours d'un de ses derniers voyages d'expédition en terre étrangère. C'est aussi le symbole de la mort du poète.